Ah, ah, regarde. Bonjour les enfants. Bonjour les enfants. Mardi prochain c'est Noël, hein. Ouais. Tu vas retrouver toute ta famille. Mardi prochain, ton père, ta tante seront ensemble. Et comme papa boit, il insultera ta tante. Mais comme tante Annie boit beaucoup aussi, elle lui jettera à la gueule son verre de whisky. Mais comme papa est un petit peu raciste et tante Annie un tout petit peu métisse, il dira à tati, retourne dans ton pays, quel joyeux Noël tu vas passer mardi. Et puis tu vas bien manger aussi. Dans la bûche de Noël que tu vas manger, y aura plein d'OGM et de graisse saturée, plein d'arômes cancérigènes, jamais moi je la mangerai. Ah, par contre pour les cadeaux faudra pas t'emballer car c'est pas le Père Noël qui te les amènera, c'est plutôt chez Lidl que ta mère les achètera. L'iPad que t'as voulu, tu l'auras dans le cul. T'auras plutôt un petit cahier de sudoku. Il y a aussi plein d'adultes, hein, qui sont malheureux. Tu penses à ces gens là dans la rue, les gens seuls Non, 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 non. Moi je pense plutôt à, tiens, par exemple David et Laura, les enfants de Johnny. Mmh. Eux, ça fait un an que leur père il est mort. Mais vous savez, Laetitia, elle a adapté une petite chanson spécialement pour eux pour Noël. Vive l'argent, vive l'argent, vive l'argent de votre père. Moi ça va depuis un an, j'ai pas de problème bancaire. Oh, mais comme là c'est Noël, arrêtons de faire la guerre. J'ai un cadeau qui peut vous plaire, l'album de votre père. Ah, celui qui a eu une année difficile aussi c'est Benalla. Ah oui. Benalla à Noël n'aura plus son matériel pour taper les gens par milliers. Et du coup, il est très frustré. En plus, en ce moment, le peuple se soulève. Il peut même pas en profiter. Un petit coup de pied, oh oui, il en rêve. Ou juste un enfant à claquer. Joyeux Noël.